Salut à tous, je suis Mike de Headrush et dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer une configuration ou un rig. Donc si vous ne faites que commencer, voyons cela en détail. Aujourd'hui j'aimerais configurer quelque chose d'un peu bluesy, d'un peu brut. Donc je vais créer une tweet de luxe. Il me suffit de toucher un des blocs vides comme ceci et j'ai accès à mon menu ici. Sélectionnez Amp et tout en haut de la liste nous voyons le 59 tweet de luxe. C'est un amplificateur vraiment sympa. Il émule un Tweet Deluxe Narrow Panel, qui était très populaire dans les années 50. Au son vraiment cool, style ZZ Top. C'est ce que je recherche aujourd'hui, alors allons-y. Comme vous pouvez le voir, il sélectionne automatiquement un baffle complémentaire. Donc vous êtes d'entrée prêt à jouer, ce qui est vraiment bien. Mais vous pouvez aussi faire des réglages. Tous vos paramètres seront par défaut à 50%. Ou 12 heures pour nous autres guitaristes. Nous pouvons apporter des modifications à cela après avoir surligné cet élément dont les valeurs de paramètres sont indiquées ici. Je vais donc commencer à faire quelques ajustements. Voilà, comme ça j'aime bien. On peut aussi faire d'autres réglages concernant le baffle, juste en le touchant deux fois. Donc ici, vous pouvez voir qu'un microphone complémentaire a été automatiquement choisi par défaut. Mais vous pouvez le changer aussi. Je vais choisir un 57. Je vais aussi le placer dans l'axe. Ça me donne le mordant que je cherche. Sortons maintenant d'ici. Ça sonne plutôt bien, écoutons. C'est cool. La première chose que je souhaite faire, c'est ouvrir un peu le gate. Il suffit de toucher le bloc IN une fois, et le noise gate apparaît automatiquement sur le côté droit de l'écran. Chaque configuration a par défaut un seuil de gate réglé sur moins 60. Je veux revenir juste un peu en arrière afin que cela ne coupe pas mon jeu quand j'essaie d'obtenir ce sustain. Parfait. Maintenant, je veux donner un peu de chaleur à tout ça, donc je vais ajouter de la distorsion. Touchons un des blocs vides avant l'amplificateur. Je vais faire défiler vers le bas et trouver notre menu distorsion, et je vais choisir le Green GRC Overdrive qui émule un Tube Screamer. Le réglage par défaut me convient, et je vais l'ajuster en conséquence. Écoutons ce que nous avons alors. Montons un peu la satu. Réglons la tonalité et abaissons le niveau. Et je pense que ça va aller. Très cool. Maintenant, je veux ajouter de la reverb et du delay. Commençons par la reverb. Je vais commencer par séparer la tête du baffle. L'intérêt, c'est que lorsque vous placez quelque chose dans le bloc qui les sépare, vous le placez en fait dans une boucle d'effet virtuelle. Donc même si cet ampli n'a jamais eu de reverb, je peux entendre exactement la façon dont il sonnerait s'il en avait une. Je vais sélectionner Spring Reverb, choisir un des pré-réglages, l'écouter et le régler en conséquence. C'est vraiment un gros son. On va le calmer un peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Écoutons-le. Très sympa. Ajoutons-lui maintenant le delay. Là, encore un des blocs vides. Nous allons le choisir en catégorie Dynamic Delay. Et le régler en conséquence. Une fois encore, tous les réglages sont par défaut à 50%. Donc, je vais les abaisser. Écoutons. Voilà, c'est le son que je cherche. Écoutons-le un peu. Génial.
J'adore ces queues de delay et de reverb. Je ne veux pas les perdre en changeant de preset, et la fonction Tail que vous voyez ici peut m'éviter ça. C'est la seule unité du marché à ma connaissance qui vous permette de changer de preset sans avoir à faire aucun ajustement au préalable. Maintenant, si vous n'aimez pas cette fonction, pas de problème. Vous pouvez l'activer et la désactiver en touchant le bouton Tail de l'écran. Cela empêche la préservation des queues d'effet d'un preset à l'autre si vous ne le souhaitez pas. Voilà, c'était un aperçu des bases de création d'une configuration ou d'un rig avec le pédalier Headrush. Merci de l'avoir regardé et à bientôt.